C'est vrai que du coup, ça a un peu perturbé notre semaine d'entraînement. On a dû s'adapter aux conditions parce que les terrains n'étaient pas praticables. Donc, on a modifié un peu la semaine. On est plus resté en salle et on a fait des travaux un peu séparés. Et du coup, ce matin, on va s'entraîner à Vorep pour faire la mise en place. Et voilà, j'espère que le stade des Alpes sera. Normalement, il est toujours bon. Donc, ça devrait aller demain soir. Très simple, c'est gagner forcément. C'est vrai qu'on reste sur 3 matchs sans victoire, c'est un petit peu embêtant. On a perdu d'un point à Colomiers, on fait ce match nul contre Biarritz à la maison et le match de la semaine dernière où je pense qu'on aurait pu espérer mieux, mais voilà, c'est peut-être aussi à l'image de notre équipe en ce moment, donc il va falloir qu'on retrouve un peu ce qui a fait notre force en début de saison et s'engommer ce qu'il y a de bien, mais c'est vrai qu'on a un objectif de résultat sur ce match-là. En plus, après, on sera en vacances, donc on n'a pas le choix. Il faut absolument gagner pour le classement et pour repartir en janvier sur des bonnes bases. C'est une équipe un peu à l'image des promus chaque année. C'est vrai que c'est assez décomplexé, déstructuré. Ils sont bons dans le désordre, ils ont des bonnes individualités. C'est une belle équipe malgré tout. Ils ont accroché énormément d'équipes du championnat. Donc on sait très bien que demain ce sera un match difficile qu'il va falloir construire et pas penser que ça va se faire tout seul. Donc voilà, on a souvent tendance à penser qu'on reçoit un promu et que ça va se faire tout seul. C'est une erreur. Et voilà, on est conscient de leur qualité, on va bien préparer le match pour atteindre notre objectif, comme je disais juste avant, qui est la victoire. Et si on met les choses dans l'ordre, ça devrait bien se passer. Je pense qu'on est plutôt bien parti. On a gagné des matchs qu'on aurait peut-être perdu l'an dernier, donc sur ce point-là, c'est plutôt positif. On a eu un bon état d'esprit, une bonne défense, une bonne conquête par moment aussi. Donc voilà, après on est si conscient qu'on a gagné des matchs qu'on aurait peut-être dû perdre. Et donc il y a ce facteur chance aussi qui nous a souri en début de saison. Donc voilà, là on reste sur trois matchs sans victoire. Il faut absolument renouer avec la victoire pour repartir sur les mêmes bases que le début de saison. Et en gardant toujours l'objectif qui est la qualif'.